Peux-tu m'expliquer, le comité jeunesse, c'est quoi sa mission? Dans le fond, c'est vraiment faire bouger les jeunes, faire plein d'activités pour eux. Là. Êtes-vous beaucoup de membres? On est 7 membres de Passe Public. Récemment, le mois passé, vous avez fait une activité, un vide-grenier. C'était pour quoi exactement? Dans le fond, les tables du vide-grenier, c'était pour financer nos activités qu'on fait ou les achats qu'on peut avoir à faire pour les activités. Je crois que tu as une invitation à lancer aux jeunes pour l'Halloween. Oui, dans le fond, on a une activité d'Halloween qui s'en vient samedi le 28 octobre, ici à l'Arena. De 6h30 à 7h30, il va y avoir du patinage libre, déguisé. Puis de 7h30 à 9h, 8h30, 9h, on va faire un genre de bal masqué juste à la salle à côté de la glace. J'invite les gens à se déguiser et les parents aussi, parce que des fois, il y a beaucoup de parents qui restent ici et ils sont pas déguisés, fait que je les invite à se déguiser puis il va y avoir plein de prix de présence. Est-ce que ça coûte de l'argent? Non, c'est totalement gratuit, puis les jeunes vont être gâtés, ils vont avoir des petites surprises durant le bal masqué, parce qu'on va faire de la musique de genre 7h30 à 9h, et qu'ils vont pouvoir danser là, avec l'écran géant qui va projeter genre Just Dance là, ou quelque chose comme ça. Fait que j'invite vraiment les gens à venir costumer, déguiser, puis venir s'amuser avec nous, avec le comité jeunesse. Il va-t-il avoir un petit kiosque pour des grignotines, des breuvages? On va donner des choses, mais on vendra pas de barbe à papa ou de popcorn. On va donner des petites choses à Halloween. Ben, merci de m'avoir entrée. Merci à toi.